Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier numéro de ce Canary Play saison 2016-2017. Et on va commencer tout de suite avec ce tweet de Titi Yasio. Ils perdent contre le LOSC et finissent devant eux au classement, cela me suffit. Samedi soir, les Nantais se sont inclinés à Lille, un score plutôt sévère, 3-0. Mais ce n'est pas ce que l'on retiendra de cette saison. On retiendra que les Nantais terminent 7e au classement. On va revenir bien évidemment sur cette saison 2016-2017 avec les temps forts. On parlera aussi Mercato et on va aborder tous ces sujets avec nos trois invités du jour. Théo Doué, journaliste à Canal+, bonjour. Bonjour Marion. Malik Taïeb, notre tweetos alias Ibanero, bonjour. Bonjour Marion. Et Pierre Arnaud Barre, journaliste à Presse Océan, bonjour. Bonjour Marion, bonjour à tous. Donc, nous le disions, une sévère défaite à Lille, 3-0. Est-ce que c'est une, on va le dire tout de suite, une défaite méritée ? Oui, je pense, défaite méritée. Il y avait plus d'envie côté lillois. Ils voulaient bien terminer l'année. Nantes avait fait le travail à la Beaujoire la semaine d'avant. Et puis, il y avait moins d'envie, pressing beaucoup plus désordonné. Ils étaient un peu déjà partis en vacances, je pense, les Nantais. Oui, d'ailleurs, c'est ce que nous dit Brian Trottignon. Il nous dit « Imagine si je dis à mon boss que je glande au bureau aujourd'hui parce que je suis en vacances demain. » Alors, est-ce que les Nantais étaient vraiment en vacances, Pierre Arnaud, dans leur tête ? C'est un peu le problème des matchs de fin de saison. On peut dire la même chose de Guingamp, qui est venu à la Beaujoire une semaine avant, qui était un petit peu absent. Il y a souvent des scores comme ça assez larges. Je pense que contre CSAO, vous voulez les garder sous pression parce que ce n'est pas le genre de la maison de relâcher la pression avant la dernière minute. Après, voilà, il y a aussi le scénario qui fait qu'ils prennent un but après à peine un quart d'heure, un but tout de suite au retour des vestiaires et un troisième sur pénalty. Après, la messe est dite, ça va très vite, quoi. Oui, mais alors il y a des équipes comme Lille, par exemple, qui, elles, terminent souvent très bien leur saison. Leur dernier match, je crois, sur les 3-4 dernières saisons, elles l'ont remporté. Et Nantes, en général, n'arrive pas à gagner. Il y a une explication, Malik ? Je ne vais pas reparler des finishes de Lille que je n'ai pas forcément en tête. Après, ils voulaient sûrement bien finir leur saison, comme Conceição avait demandé d'ailleurs, parce que l'FC Nantes finisse bien à domicile la semaine d'avant. C'était la dernière de Passy. Il y avait sûrement Bielsa dans le coin. Je pense qu'il y a des joueurs qui veulent se montrer. Il était arrangé, Bielsa. Oui, mais il a sûrement vu le match déjà 4 fois en vidéo. Donc, il y a des joueurs qui veulent se montrer pour Bielsa, mais aussi se montrer pour des futurs clubs, parce qu'on sait bien que Bielsa ne va pas vouloir garder tout le monde. Donc, il y avait beaucoup plus d'enjeux pour les Lillois, je pense, que pour l'FC Nantes. Bah, c'était effectivement quand même un match sans enjeu pour les deux équipes, mais il y a quand même une histoire de prime, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, bah, on va se faire du mal tout de suite. Hein. Moi, je vous propose de les regarder, ces 3 buts. Le premier, vous l'avez dit, Pierre Arnaud, est arrivé très vite, dès la 16e minute. Mauvaise appréciation de Kofi Djidji. Et puis, bah, Lopez sert de Préville, facile, qui n'a plus qu'à mettre au fond du défilé. Et puis après, il faudra attendre le retour des vestiaires. Alors, on regarde le premier but au ralenti. C'est vrai que on cherche un peu la défense nantaise. C'est au départ du ballon, surtout, qu'il y a une grosse absence pour suivre Ronny Lopez sur le premier but. Et puis là, on va voir effectivement le deuxième but, tout de suite au retour des vestiaires. Bah, là aussi, de Préville, encore lui. Sans problème, on a envie de dire, ça a l'air tellement facile. C'est la défense, on cherche quand même la défense nantaise. Il est encore au vestiaire, là. Ah, c'est ça, il avait pris un peu plus de temps. Et puis, bah, voilà, on va aussi assister au troisième but sur penalty, expulsion de Lima. C'est dommage, Lima, il était proche de battre un record. Je ne sais pas si c'est important dans la tête d'un joueur. Il était sur le point de jouer toutes les minutes de championnat depuis le début de la saison. C'était un record un peu foufou, parce qu'il n'y a que des gardiens, 3 gardiens, je crois. Voilà, il y a 3 gardiens. Il aurait pu rentrer en fait, dans l'histoire du FC Nantes aussi. Ouais, oui, après, on peut se poser la question de savoir si, voilà, pourquoi il a joué toutes ces minutes de championnat, mais c'est un autre débat. À l'arrivée, c'est Korchia hein, qui est en face, qui finit tous les matchs de la saison. Et alors, sur ce pénalty, il est mérité. Certains l'ont jugé sévère, d'autres pas. Il y a eu tirage de maillot qui ne se voyait pas forcément comme ça quand on regardait le match. Et puis, on voit au ralenti, c'est léger. Au ralenti, il peut y avoir pénalty, comme il y aurait pu avoir un pénalty sur Nakulma aussi en première mi-temps. Voilà, c'est vrai que Lima, voilà, il prend 2e jaune là-dessus, c'est quand même peut-être un petit peu sévère, mais en tout cas, le premier qu'il prend en première mi-temps, il est mérité. Donc, il n'y a pas de scandale, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais après, si Eder a un maillot jaune et vert, peut-être qu'il n'y a pas pénalty. On peut se poser la question, parce qu'on a vu des pénaltys refusés pour moins que pour des fautes qui sont beaucoup plus... Sur Nakulma en plus. Sur Nakulma ou voilà. Sur, ouais, il y en a eu quelques-unes cette saison sur Nakulma. Il y a eu quelques-unes, après il n'y a pas scandale. Il fait une faute, après peut-être que le jaune est un peu sévère derrière. Puis on peut dire aussi peut-être que ce sont les Lillois quand même, oui, qui dès le début de match
ont dominé, sont mieux rentrés dans le match. Bah, quand on voit les statistiques, je crois, y a pas photo. Je crois qu'il y a 19 tirs à 6 au final. Voilà, il y a une domination. On voit sur les buts que les Nantais ne sont pas forcément présents. C'est ce que disait Théo. Voilà, ils étaient un peu statiques. Bon, bah, ça se paye. Faut pas oublier qu'on est en Ligue 1. Les erreurs se payent cash. Si on est un petit peu en dessous, voilà, ça se paye tout de suite. Le tournant du match, c'est sûrement peut-être l'occasion de Gillet, qui est sauvé, le 1 contre 1, sauvé par Maignan. Je pense que voilà, c'est 1-0. Et là, s'ils égalisent, Nantes était pas trop mal à ce moment-là du match. Donc ça s'est peut-être joué un peu là-dessus. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il a manqué un petit peu de chaque ingrédient de ce qui faisait le FC Nantes de Conceição. Une grosse agressivité, une rigueur à la fois technique et tactique. Et là, il a manqué un petit peu de ça dans tous les compartiments. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu 1, 2, 3 erreurs et qu'il n'y a pas eu la même efficacité. Je pense qu'il suffit que les Nantais donnent un petit peu moins pour que ça se ressente tout de suite très largement, je pense, avec ce que Conceição leur demande. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ouais, c'est sévère, là. C'est direct. Enfin, voilà, un petit peu moins, 3-0. La semaine dernière, vous faites 4-1. Je pense que la méthode Conceição nécessite que les joueurs soient tout le temps au taquet, ouais, tout le temps à 100%. S'il y a un tout petit relâchement, ça, je pense qu'ils le payent directement. Plus que 100%, voilà. Hein, il faut que ce soit à 150%. Et puis, il y a cette idée que le lendemain, les joueurs, ils partent en vacances, ont déjà leur billet, ce qui avait d'ailleurs... Oui, enfin, ça, c'est pareil pour tous les joueurs, ceux de Lille comme ceux de Nantes. Ouais, surpris Conceição, qui lui souhaitait que les joueurs restent un petit peu encore pour faire le point après. Il a été surpris par ça. Il a annoncé d'ailleurs dans la presse que ça ne se passerait plus comme ça les saisons d'après. Peut-être les joueurs ne veulent pas se blesser aussi pour partir en vacances. Il y a plein de choses qui rentrent dans l'ingrédient. C'est très mental, hein, le football. Et il y a eu un petit lâchage, ouais, un petit hommage à René Girard, je pense. Donc, un entraîneur, on va dire, vous l'avez dit, exigeant. Bon, on va l'écouter, l'entraîneur Sergio Conceição, qui effectivement, lui aussi, il faut être honnête, après cette défaite, avait pas vraiment, faisait pas grise mine, faisait pas la tête, tout simplement. On sentait qu'il était quand même content, lui aussi, globalement, de la saison. On va l'écouter. On n'était pas efficace devant le but, on n'était pas efficace dans le jeu aussi. On n'était pas intensif comme normalement on est. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait bien aujourd'hui. Et je pense que Lille était mieux aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier tout le travail pendant 5 mois. Et on se sent un petit champion, tout le monde, ici à Nantes aujourd'hui. Okay. Pas champion seulement de la Bretagne, mais aussi de l'objectif qu'on a tracé. Alors, on n'a pas eu le droit cette fois-ci, c'est magnifique, mais on a eu le droit, on est des petits champions, c'est plutôt sympa ça, on est des petits champions et champions de Bretagne, il l'a souligné. Oui, il ne faut pas oublier, en fait, s'il est plutôt content là, à la fin du match, c'est parce que l'objectif du club est réalisé, il visait la 7e place, comme Saint-Etienne et Rennes ont perdu, voilà, Nantes maintient sa 7e place, c'était l'objectif, donc après, comme ils ont perdu, qu'ils maintiennent cette place, ce n'est pas dramatique. Et ils restent devant, effectivement, Rennes et voilà, les autres clubs bretons. C'était un petit objectif qui s'était fixé entre eux, donc tant mieux. C'est honorifique, mais ça fait toujours... Ouais, le FC Nantes pouvait perdre 6 millions d'euros en redescendant, si Saint-Etienne et puis... Entre la 7e et la 8e place. Entre la 7e, d'accord. C'était 3 millions à chaque place. Donc ça faisait... Éventuellement, le FC Nantes pouvait perdre 6 millions d'euros s'il rétrogradait 2 places à l'issue du match. Là, une défaite, finalement, le Nantes reste 7e. Oui. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on ne sait ça haut, garde le sourire. Quoi. C'est sans conséquence, quelque part. Mais ça aurait été dommageable, en fait, finalement. Bah, bon, le calendrier n'était pas terrible pour Rennes et Saint-Etienne qui allait à Nancy. Saint-Etienne était démobilisé. Mais imaginons Saint-Etienne qui s'impose et Rennes qui fait un coup parce que Monaco est un peu à fête au titre. Bah, 9e place, on a fini sur un 3-0 et 9e place. Je pense que le président Kita n'aurait pas apprécié. Et qu'on sait ça ou non plus. Bon, finalement, ça se passe bien, donc allez, on passe à autre chose. Mais quand même, je pense qu'à la rentrée, il va falloir... Oui, ça ne se passera pas comme ça. Non. On a tiens, un petit clin d'œil de Gontier qui nous dit, un peu comme vous l'avez dit Malik, beau geste du FC Nantes qui a repris René Girard pour coacher le dernier match de la saison. Donc voilà, René Girard qui quand même doit avoir les oreilles qui sifflent assez souvent ces derniers temps parce qu'en fait, on peut le dire, nos amis Twittos, eh ben, en sens Sergio Conceição, un grand merci à toi coach Conceição pour cette magnifique deuxième partie de saison que tu nous as offert. Ça s'est signé Long the Road. Après Gérald The West, excusez-moi pour l'accent, nous dit résumé de la saison, obrigado, monsieur. Ouais, mais ils mettent pas aussi, obrigado, monsieur Conceição. Bilan de Sergio Conceição, 11 victoires, 6 défaites et 5 nuls, 30 buts inscrits et 28 concédés. C'est un bon bilan, on n'arrête pas de le dire. Est-ce que ça va pouvoir continuer? C'est ça aussi la question qu'aujourd'hui tout le monde se pose.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison que l'effet contre Sessao ne soit pas prolongé, parce que ce n'est pas juste un meneur d'hommes. On l'a vu, tactiquement, il a quand même révolutionné, même si c'est peut-être un bien grand mot, mais il a énormément changé les choses tactiquement aussi. Ce n'est pas juste un meneur d'hommes qui est venu, qui a aboyé pour relancer les siens sur un mois ou deux. Je pense que ça va durer. Voilà. Quand on interroge les joueurs, pour conforter ce que tu dis, les joueurs disent que c'est le meilleur entraîneur qu'ils aient eu la plupart. Donc effectivement, il doit y avoir des effets. Après, voilà, ça, une saison dépend de beaucoup de choses. On l'a vu avec René Girard, qui n'a pas forcément tous les torts non plus. Une saison, c'est aussi un mercato réussi, un bon début de saison, des joueurs qui adhèrent au projet. Là, ils ont adhéré tout de suite avec Contessao quand il est arrivé. Bon, il n'y a pas de raison normalement que ça se passe mal en début d'année prochaine, mais il faut toujours rester prudent. 19e au mois de décembre, 7e au mois de mai. Je vous propose de regarder ce résumé un petit peu de cette saison 2016-2017 pour les Canaries. On va en parler ensemble après, évidemment. Une défaite à Lille. Le FC Nantes passe à côté de la rencontre, mais pas à côté de sa saison, grâce à cet homme providentiel. Le coach y est pour beaucoup. Après, je pense qu'il s'est appuyé sur des joueurs très réceptifs. Et l'ensemble du groupe a fait un travail fabuleux parce que voilà, on était... Mentalement, il demande beaucoup d'efforts et on a beaucoup été à l'écoute et on est resté sérieux toute la deuxième partie de saison et c'est ce qui nous a permis d'avoir autant de bons résultats. Un printemps qui sourit quand l'automne et l'hiver furent des plus ternes. Novembre dernier, le FC Nantes est au fond du trou à la 19e place du classement. René Girard, arrivé pendant l'été, a du mal à voir le bout du tunnel. Oui, c'est vrai que c'est dur, c'est pénible pour tout le monde. Une situation catastrophique sur le terrain qui rejaillit malheureusement dans les tribunes. Point d'orgue de la tension chez quelques supporters, la rencontre contre Toulouse. La direction durcit alors le ton et interdit banderoles et animations dans la tribune Loire. Sur la pelouse, l'éclaircie est portugaise. Mi-décembre, Sergio Conceição, le Lusitanien, prend les rênes de l'équipe nantaise. Le FC Nantes engrange 38 points. Une remontée fantastique. Le contrat de l'entraîneur est prolongé jusqu'en 2020. Je suis exigeant avec moi-même, je suis exigeant avec les autres. J'ai un caractère difficile, mais à la fin, c'est pour le bien de chacun. Okay. Une situation apaisée sportivement, mais une ambiance toujours difficile chez certains supporters avec ces fumigènes jetés tout récemment sur la pelouse. Le FC Nantes devra confirmer la saison prochaine qu'il est capable de briller. Une saison capable un peu du meilleur comme du pire, on peut résumer, le départ de René Girard, la remontada, les supporters avec qui ça ne se passe pas forcément bien. Qu'est-ce que vous retenez, vous chacun? Est-ce qu'il y a un fait marquant ou tout simplement un match, quelque chose? Qu'est-ce que vous retenez de cette saison? Retenir une seule chose, c'est difficile. Quand on fait toute la saison, moi je me souviens du 6-0 encaissé à domicile contre Lyon, où j'étais vraiment très très pessimiste. Voilà, le FC Nantes 19e et bah voilà, le miroir, c'est, enfin, l'autre face aussi, c'est contre Sessao et le dernier match notamment à la Beaujoire avec le 4-1 et le quatrième but finalement qui résume toute l'évolution de ce FC Nantes avec un but magnifique dans la construction, on vient de le voir. Théo, qu'est-ce que moi je dirais un moment, le même moment faible cette saison, le moment le plus compliqué, c'est la claque contre Lyon où là tout le monde se regardait en disant que va devenir le FC Nantes, et puis le moment, je dirais, le plus sympathique, c'était cette victoire contre Marseille, parce que c'était un petit peu la victoire de prestige, on a vu un match sympa, des jolis buts, donc voilà, je dirais que si on devait avoir un top et un flop, ça serait oui, c'est ça serait top cela, et flop. Voilà. Malik? Moi, j'en retiens deux, alors la période Girard, je ne retiens rien du tout de bien, donc j'en parlerai pas. Victoire à Dijon. Pardon? La victoire à Dijon, et puis le but de Thompson. Qui ça? Tom qui? Tom Pousse? Non, je retiens la victoire à Angers. 2-0, c'était une des premières et j'étais au stade et j'ai vraiment vu quelque chose de différent. Niveau tactique, j'ai vu des choses qui m'ont vraiment impressionné en termes de placement avec les latéraux qui ne défendaient pas sur les corners et qui étaient placés très haut pour faire les contres. Et c'est justement le deuxième but qui part de ça. Je voulais parler de la victoire de l'OM, mais du coup, je parlerai du... La victoire contre Lorient dans les arrêts de jeu, avec la joie de Kita, et derrière l'annonce comme quoi Conceição prolonge. Là, j'ai vu un état de grâce sur les réseaux sociaux, chez tous les supporters et même chez les joueurs, quelque chose que... C'était un bon coup de communication. C'était un cadeau de Noël incroyable, et voilà, il faut que ça dure là-dessus, parce que ça peut attirer des joueurs, le fait que Conceição soit là. Ça va sûrement faire en sorte que des joueurs importants restent, même si certains peuvent partir.
Donc voilà, faut surfer là-dessus, même si tout commence maintenant, quoi. C'est plutôt positif, vous me parlez de matchs, de victoires ou même de lourdes défaites, mais on oublie rapidement finalement, et ce n'est pas ce qu'on va retenir de cette saison, tous les problèmes qu'il y a rencontrés avec les fumigènes, les matchs qui se jouent à huis clos dans la tribune Loire. Ça restera anecdotique ou ça fera partie de cette saison 2016-2017? Non, c'est un problème qui est en fait, pourquoi, moi, j'en parle pas. Et pourquoi c'est difficile, je pense, pour nous d'en parler, c'est que c'est un problème qui est très profond et il faudrait une émission de plusieurs heures pour en parler. On n'a pas réussi la semaine dernière. On a essayé de trouver une solution, on n'a pas réussi. Oui, non, c'est vraiment compliqué. Et puis voilà, il y a tellement de raisons à cette colère, que ce soit la direction. Voilà, ils n'ont jamais aimé la famille Kita. Il y a les interdictions de stade, il y a les fumigènes. Enfin, voilà, c'est un problème vraiment très vaste et pour moi qui est très grave, mais qui ne va pas se régler du jour au lendemain. Il faudrait de toute façon trouver une solution, parce que ça va finir devant, que le FC Nantes va jouer devant un stade vide. Mais on préfère retenir, personnellement, je préfère retenir le sportif. Dans les points noirs, on va revenir sur le sportif, dans les points noirs, les points faibles plutôt, il y a Gérald The West qui souligne quand même SOS, défense en détresse, point d'interrogation. Si on doit avoir une petite inquiétude peut-être, c'est cette défense qui a encaissé quand même beaucoup de buts. Non. Non, ouais, non. Pour moi. D'accord. Pas pour moi, parce que Gigi Diego Carlos. 54 buts encaissés, ça vous semble pas. Ça va avec le jeu. Ouais. Les équipes qui le Bielsa de Marseille marquait des buts, en prenait aussi beaucoup. Donc au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut voir du spectacle à la Beaujoire, faut accepter que le FC Nantes gagne 4-3 plutôt que le FC Nantes perde 1-0. C'est peut-être mieux d'aller voir les choses comme ça. Quoi. Mais c'est plutôt sympa de voir comme ça. Il faut pas non plus négliger la première partie de saison où Nantes a encaissé beaucoup de buts sans en marquer. Donc c'est pour ça qu'après. Oui, peut-être que nos résultats sont un peu faussés. Ouais. Ouais, quand on regarde le goal average, un 7e qui finit avec un goal average aussi négatif, après on fait le calcul, le 6-0 contre Lyon, 3-0 contre Metz, 4-0 à Monaco. Voilà, c'est difficile de remonter tout ça. Après, individuellement, derrière et collectivement, c'est pas déconnant. C'est vrai que Gigi Carlos, ça marche bien. Les latéraux, ils apportent beaucoup offensivement. Défensivement, peut-être Lima est un peu juste par rapport aux trois autres, par rapport à Dubois. Mais il se jette beaucoup. Il faut un troisième défenseur central pour compléter Gigi et Diego Carlos, clairement. Il faut un défenseur qui ait une certaine stature et qui soit capable de compenser ces deux-là, ou de prendre l'une des deux places. Mais je trouve, après, c'est aussi le boulot des milieux d'EF, c'est aussi le boulot des attaquants, de se replier. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais honnêtement, moi, je préfère que le FC Nantes ait une défense pas aussi bonne que les autres saisons, mais qui marque plus de buts. Et sur une saison entière, à mon avis, le résultat est... Alors, il y a un chiffre, vous en avez parlé tout à l'heure, un peu des pénaltys. 9 pénaltys sifflés contre le FC Nantes. C'est le deuxième club qui a eu le plus de pénaltys après Dijon. Est-ce que ce sont les défenseurs nantais qui sont trop rugueux, ou est-ce qu'on s'acharne contre les Nantais? Pour moi, ce n'est pas les défenseurs qui sont rugueux. Justement, quand on parlait de la défense, je voulais intervenir là-dessus. C'est qu'on a eu finalement, c'est le petit regret que j'ai sur Gigi Diego Carlos, la charnière centrale, qui peut être efficace. Enfin, on l'a vu, ils sont performants. Mais alors, de temps en temps, ils font... on a l'impression qu'ils ont un bug. Après, c'est des petits trous d'air, ça. Voilà, c'est des défenseurs centraux. Donc, quand ils font une erreur, ça se paye tout de suite. Mais voilà, je prends l'exemple typique, c'est le match en Coupe de France à Lille où Nantes domine tout le match. Et ils prennent un but à la dernière minute sur pénalty, justement, parce que Diego Carlos dégage... en fait, il veut dégager le ballon, sauf qu'il rate le ballon et il dégage dans l'attaquant lillois. Et en fait, voilà, il y a des petits bugs comme ça. On a vu quelques-uns cette saison qui coûtent assez cher. Mais après, on n'a pas eu de gardien cette année qui nous fait gagner des points non plus. C'est vrai aussi. Mais juste sur les deux défenseurs centraux... Pour moi, c'est une charnière que le FC Nantes doit garder, doit faire progresser. Gigi, il est en pleine force de l'âge. Diego Carlos, il est encore jeune. Il a quand même plein de qualités. Maintenant, les deux doivent sans doute encore progresser parfois un peu en termes de rigueur et de concentration sur 90 minutes. Et je pense que le FC Nantes tient là une charnière qui peut potentiellement durer, quoi. Au final, belle saison pour le FC Nantes ou une saison en demi-teinte ? Très belle saison. Une saison qui peut laisser des regrets pour moi quand même, parce que s'il y a contre CSAO dès le début de saison après on rentre dans le foot fiction, oui, si effectivement on peut imaginer tous les scénarios, ça c'est sûr. C'est Valentin Rongier aussi qui dit avant le dernier match, on lui demandait s'il était content de partir en vacances ou justement s'il avait un peu des regrets que la saison se termine déjà. Oui, c'est ce qu'il disait. Il disait aussi, dans la tête, c'est fatigant. Enfin, ils ont vécu une saison, pour moi, ils ont vécu deux saisons en une.
Et quand on est 19e, c'est ce qu'il disait aussi, quand on est 19e, qu'on est relégable, c'est pas facile mentalement de s'en sortir. Donc voilà, là, ils ont aussi eu les ressorts parce que, ben, justement, ils avaient galéré pendant cette première partie. Et ben, du coup, quand ça remonte et qu'il y a des places intéressantes à aller chercher, ils ont aussi le petit coup de boost pour aller chercher ces places-là. Pour continuer sur le même rythme, on peut voilà, espérer. S'ils avaient été 10e toute l'année, peut-être qu'ils n'auraient pas eu aussi le petit coup de boost avec Conceição pour remonter. Cette partie de saison, là, depuis Conceição est arrivé, ça va surtout poser une pierre pour la saison à venir. C'est oui, le plus important, en fait. Une première étape. C'est un socle, ils doivent... Ils doivent partir de ça, mais pas se dire ouais, bah, on a été bon la deuxième partie de saison, qu'on sait ça ou là, ça va se faire tout seul. Évidemment, il faut renforcer, et je pense que l'entraîneur le sait, et les joueurs, ils doivent se remettre au même niveau d'exigence, et pas se dire que bah, finalement, on a l'effectif, on est capable. Mais ils doivent vraiment se servir de ça, et le FC Nantes, bah, s'il travaille, et, bah, ça peut être que magnifique. Oui. Après, il y a le plus dur aussi de durer avec ce rythme-là, parce qu'il court énormément. C'est ce qu'on disait, oui. Ouais, je prends juste un tout petit exemple. Vas-y. Quand je dis d'être prudent aussi, c'est, je me souviens de Pascal Duprat l'année dernière avec Toulouse, qui a fait remonter Toulouse, qui était aussi au fond du saut. Ils ont eu un début d'exercice bon et ils ont eu plongé derrière. Je pense que la difficulté avec ce type de coach, c'est aussi de durer, voilà, sur la durée, de tenir mentalement et physiquement. Alors... Vas-y. C'est là où je rejoins Théo, c'est que c'est pas qu'un meneur d'homme qu'on sait ça haut. Duprat, je dirais plus c'est un meneur d'homme qu'un tacticien, même s'il a évidemment des qualités tactiques, c'est un entraîneur de Ligue 1, donc pas débat. Mais voilà, qu'on sait ça haut, c'est aussi un grand tacticien. Et je me souviens, hein, quand il est arrivé, qu'on sait ça haut, il y a beaucoup de journalistes nationaux, principalement, qui disaient « tiendront jamais à ce rythme, oui, ça va éclater, ça marchera pas avec Ita ». 5 mois après, on l'a beaucoup dit, hein, ça marchera pas avec Kita, ouais, on avait peur de ces cinq deux mois tempéraments. Après, au mois de mai, c'est qui courait, c'était les joueurs du FC Nantes. Hein. Ils n'étaient pas cramés. Moi, je les ai pas vus cramés à un seul moment. J'ai trouvé beaucoup plus cramés. Mais parce que Conceição a aussi adapté un peu son rythme et la rigueur, ce qu'il a demandé aux joueurs. Au début, enfin, je n'ai pas les heures et puis leur calendrier en tête complet, mais c'est vrai qu'il faisait des journées complètes à la Genolière. Au bout d'un moment, quand ça commençait à bien tourner, Conceição, il a dit les gars, reposez-vous quand même un peu, le matin on vient plus à 7h30 et puis voilà, il a quand même un peu à peu allégé le planning. Il a fait un peu comme un enseignant, sévère au début et je relâche après. C'était un peu ça. Ouais, puis c'est individualisé, excuse-moi. Vas-y. Non, et puis les joueurs s'éclatent aussi au sein d'entraînement. C'est vrai que quand on peut les voir s'entraîner, on voit que ça y va comme un match, ils se donnent vraiment beaucoup, mais ils s'amusent aussi, voilà, il y a beaucoup de jeu, on sent qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Mais c'est aussi né de l'objectif des premières places qui arrivaient derrière. On va écouter justement un de ces joueurs qui a beaucoup donné cette saison. C'est peut-être, il fait partie certainement de ces joueurs qui ont un peu explosé. On va écouter Valentin Rongier qui nous parle, lui, déjà de la saison prochaine. Voilà, l'année prochaine, on sera très, très ambitieux. Il faut qu'on garde les mêmes principes et qu'on soit encore plus rigoureux et pas se relâcher, par exemple, sur des matchs comme ça, qui paraissent anodins, mais qui laissent une mauvaise image de notre équipe en fin de saison, et ce qui est un peu dommage. Mais c'est vrai que l'année prochaine, on va tout faire pour grappiller encore des places et finir le plus haut dans le classement. Alors Valentin Rongier, on ne va pas tous les reprendre un par un, on l'avait évoqué la semaine dernière, mais est-ce que vous aussi, vous avez un joueur qui pour vous, cette saison, a explosé ou s'est illustré plus que les autres? Je pense que c'était au milieu de terrain, globalement, je pense que c'était le meilleur joueur du FC Nantes sur sous l'ère Conceição, on va dire ça comme ça. Mais après, parler de révélation, je ne suis pas complètement d'accord. C'est la continuité, peut-être. Parce qu'avec Derzakarian, il avait connu une période avant de se blesser où là, c'était une révélation. Là, c'est plus la confirmation de son réel potentiel. Quand on lui fait confiance, quand on lui donne un peu les clés du milieu de terrain, et ben voilà, on voit ce qu'il est capable de faire. Et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il intéresse évidemment du monde. Puis il n'était pas titulaire tout de suite, hein, avec Conceição, Rongier, il l'a mis. Il était très exigeant. Il était très exigeant avec lui. Moi, évidemment, Rongier a fait une très très bonne saison. Je reste sur Léo Dubois, qui a fait vraiment. Une saison, autant défensivement, je l'attendais à ce niveau-là, mais les saisons d'avant, je ne le voyais pas aussi offensif. Cette année, c'est vrai que le système lui a permis, puisque Thomasson ou d'autres rentrent intérieur, et lui, du coup, il a le couloir. Mais derrière, il a cette capacité de mettre galettes, des centres, ce que ne sait pas forcément faire Lima, alors qu'il est venu pour ça. Dubois, 7 passes décisives. Ouais. Chapeau, et limite, on lui en enlève une en plus, donc ça pourrait faire 8. C'est un très, très bon latéral droit, et je ne pensais pas qu'il pourrait atteindre ce niveau-là. Et puis un petit mot aussi pour Emiliano Sala, auteur de 12 buts. C'est une belle... On n'avait pas vu ça depuis la saison du titre, ou après le titre 2001-2002 avec Monterrubio. 12 buts, c'est... 2001. Et voilà, c'est quand même
très grosse performance, surtout qu'à Nantes, j'avais regardé un petit peu le détail sur les dernières années, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Il y a Moldovan qui a mis une fois 10 buts. Voilà, pour moi, Emiliano Sala, il fait aussi une très très bonne saison parce qu'il y a l'efficacité avec 12 buts, c'est quand même pas rien pour un attaquant. Et voilà, il se bat aussi beaucoup. C'est un joueur qui se bat aussi beaucoup pour récupérer les ballons en pressing, pour voilà, gêner la relance adverse. Il est très important, je pense, dans le système de Conceição aussi. Donc voilà, moi, je trouve qu'il fait une bonne saison. Après, c'est ce qui est toujours le problème avec un attaquant, parce qu'il marque des très beaux buts, le dernier contre Guingamp. Et puis il rate aussi, contre Guingamp, c'est un bon exemple, il rate des buts aussi tout fait, mais c'est un attaquant. Il pourrait être à 20 buts, hein, s'il avait mis ne serait-ce que aller à un tiers de ses occasions cette année, il serait à 15-17 buts. Mais après, moi, pour moi, ce n'est pas un exploit non plus, quoi. Ça veut dire qu'il y a dans même des clubs qui jouent le maintien, il y a un joueur ou deux joueurs qui sont à 12 buts. C'était plutôt une anomalie au FC Nantes de ne pas avoir un buteur qui est au moins à 12-15 buts. Pour moi, il a fait le taf, quoi. Je ne suis pas... Voilà. Non, c'est le résultat d'un collectif. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Nakulma, il est à 7 buts sur 4 mois. Il y a Stepinski, même s'il est à la cave en ce moment, pour un joueur qui est arrivé en août. Il a mis quand même 5-6 buts, il en a mis en coupe, il en a mis un très beau contre l'OM. Voilà, il y a plusieurs joueurs avec un certain niveau de but. Donc c'est intéressant. Après, ça là, il confirme tout le travail collectif et il a su les mettre au fond. Pas justement, toujours, là, mais quand même. Vous parlez de buteurs. On a lancé un sondage Canary Play sur le plus beau but de la saison. On va faire un petit peu appel à votre mémoire. On a eu pour l'instant 185 votes. C'est Pardo qui arrive en premier, 47% pour le but de Pardo contre Dijon. On va le revoir tout à l'heure. Le deuxième, c'est le buteur, c'est Sala avec 35% des votes. Thomasson, 10% et Stepinski, 8%. Alors, c'est sûr, quel match exactement, Malik, éclairez-moi, aidez-moi s'il vous plaît sur ce coup-là. Thomasson, c'est le match de Coupe de la Ligue, c'est la volée, c'est un des derniers matchs contre Angers. C'est le match de Coupe de la Ligue contre Angers, c'est ça. Excusez-moi. Et du coup, oui, c'est une volée qui est quand même assez exceptionnelle. Il y avait eu la frappe de Sala aussi, mais qui était compris dans le même match. Mais c'est vrai que le but de Thomasson est plutôt pas mal. Puis il y a le but de Stepinski contre l'OM, que je parlais il y a quelques minutes. Hein. C'est contrôle de la poitrine, le coup du sombrero et la frappe enchaînée sur un match un dimanche soir sur Canal. C'était quand même beau coup d'éclat. Je pense qu'il aurait été bien placé, mais c'est vrai que les deux derniers buts... Bon, le but de Pardo, il est beau, mais un peu chanceux. Moi, je ne pense pas qu'il ait fait exprès. Mais moi, c'était la question que je me posais. Est-ce qu'il essaie de centrer ou est-ce qu'il essaie de marquer ? Je te mets le même sur Stepinski. Je pose la même question. Avant de lancer le débat, moi, je propose de le revoir. C'est le collectif de Salah. Je vous propose de le revoir, le but, avant de lancer le débat. On va le revoir tout de suite. On est le 26 février. Nantes reçoit le club de Dijon. Nantes l'emporte 3 et c'est le dernier but. Pardo devance d'abord la sortie du gardien dijonnais avant de crocheter son défenseur et d'envoyer une magnifique balle brossée dans la lucarne opposée, si c'est volontaire. Et premier but du Colombien arrivé au mercato hivernal. Alors effectivement, voilà, je pense que les avis sont partagés. Oui, c'est volontaire. Moi, je me suis demandé s'il voulait centrer à la base. Mais... S'il veut la mettre là, il est vraiment fort. Parce qu'il la met vraiment dans l'angle le plus improbable. Il veut la mettre là. Après, il la tente 20 fois, il la rate 19. Il n'y a personne dans le fond. Mon joueur hier, il a fait la même. Hein. Il a voulu centrer, il l'a mis au deuxième poteau, gardien, il n'a pas compris. Donc, c'est ça, il est là. En fait. Après, c'est Pardo, c'est la seule chose qu'il a fait au FC Nantes. Donc voilà, il peut partir tranquille. Et il a fait sa performance. Après, il y a un truc qui disait un truc vraiment intéressant. Il y en a qui préfèrent le beau but, un exploit individuel. Ou des buts collectifs. Moi, je préfère le but de Salah, même si c'est un but collectif. Hein, avec Sergio Oliveira, ça joue en 2, 3, 4 touches. C'est un beau but, c'est le quatrième. Voilà, ça, c'est vraiment un but d'école où tout le collectif est mis en place. Donc moi, je préfère ce but-là, mais c'est vrai que j'en veux toutes les semaines, moi, des buts comme ça. Comme ça, c'est le but de Pardo, l'État contre l'OM, volontaire ou pas, d'ailleurs. C'est surtout qu'en fait, les trois premiers, bon, le but de Pardo, le but de Thomasson, le but de Stepinski, c'est des buts, c'est ce que tu disais, c'est des exploits individuels. Le dernier, celui de Salah, il a une saveur un petit peu différente parce que c'est dans le collectif et ça montre vraiment que le FC Nantes a fait des progrès dans le jeu parce que ça, on ne l'aurait pas vu sur les 3-4 dernières saisons. Donc, ça vient récompenser un travail, tandis que les trois autres, même si le FC Nantes va mal, sur un coup d'éclat, ça peut arriver. L'autre, le dernier, je suis pas sûr. Mais toi, Marion, c'est lequel ton préféré ? Ah, mais moi j'ai un petit coup de cœur, j'avoue, pour celui, le deuxième de Salah contre Guingamp. Je ne sais pas.
La petite talonnade, on a. Ah, oui, voilà. Non, c'est oui, c'est à Guingamp. C'est à Guingamp. Moi, je l'aime bien. Bon, il a rien de. Voilà, j'ai trouvé qu'il fallait avoir l'idée. C'est peut-être, je ne sais pas si on peut dire opportuniste, mais en tout cas, il a eu le geste et voilà, c'est le réflexe, j'ai plutôt l'impression, et je trouve ça fort. On va maintenant aborder un sujet qu'on beaucoup de nos amis twittos attendent, le fameux mercato. Comme nous a dit Tonton Juju, chantier pour l'an prochain, défense et gardien. Alors le mercato, ça commence le 9 juin. D'ici là, je pense que les tractations vont bon train. Qui part? Qui reste? Est-ce qu'on sait? Non. On n'en sait pas, on ne sait rien. Ça, les rumeurs pleuvent dans tous les sens, mais derrière, là, de toute façon, il y a la moitié des transferts et des arrivées qui se feront à la dernière semaine d'août, donc je pense qu'on a le temps d'en parler et le temps de voir venir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de rester, parce que ça se passe bien, parce que le FC Nantes devient tout d'un coup de plus en plus ambitieux. Et c'est ce que dit Conte Sao, d'ailleurs. Maintenant, il faut se renforcer. Un gardien, je pense, plutôt que derrière, un défenseur central, c'est sûr, mais ça peut être un défenseur central d'appoint, parce que je pense que la charnière, on le disait tout à l'heure, elle tient la route. Au milieu, un milieu relayeur, on parle de Veretout, pourquoi pas, voilà. Et puis pour moi, un buteur, un buteur de qualité supérieure. J'ai l'impression qu'on se répète tous les ans, il nous manque un buteur, il nous manque un attaquant. C'est toutes les équipes, toutes les équipes cherchent un attaquant qui va planter au moins les 12 buts de Salah, voire 15 ou 20, tous les clubs attendent ça. Après, un attaquant, c'est très cher, ou il faut faire la bonne pioche, comme Nakulma cet hiver, qui venait de nulle part et qui a fait une bonne première partie de deuxième partie de saison. Et vous voyez vraiment Jordan Veretout revenir à Nantes, Malik? Vous disiez que c'est un aimant à joueur. Oui, sûrement. Après, ce qui est dit au mois de mai, en général, ne se vérifie pas au mois de juillet ou août. Donc je reste assez sceptique sur le prêt de Veretout. Après, pourquoi pas? Non, mais c'est pas gagné, mais ça fait parler, parce après, que forcément, ça sera un gros coup. Après, ouais, on le met où, quoi? Il y a Rongier, il y a Gillet, Conceição, il joue en 4-4-2. Alors, au moins, on change de système. On parle aussi du 4-3-3 de Conceição. Est-ce que vous pensez que ça va aller plus vite que les autres saisons où souvent on attendait les derniers jours, voire les dernières heures pour savoir? Parce que les transferts, c'est. Enfin, il y a l'arrivée du joueur, c'est une chose, mais elle est parfois conditionnée au départ d'un autre. Cette saison, à l'intersaison, il va y avoir beaucoup de questions. Est-ce que Harit va rester ou pas? Qui va partir? Et en fonction de ces départs, seront conditionnés plus ou moins d'arrivée, je pense. Après, un arrière-gauche pour suppléer aussi Lima, ça pourrait être pas mal, parce que voilà, cette année... C'est un titulaire indiscutable. Mais l'année prochaine... Lima semble assez discutable, si on suit les chiffres. Apporté de belles promesses l'année dernière. Je pense que ça serait pas mal de doubler ce poste-là. Il est doublé à droite avec Dubois, donc ça serait pas illogique de... Moi, je pense que Moins B a peut-être envie d'aller voir ailleurs, même s'il a un bon salaire au FC Nantes actuellement, je pense qu'il a peut-être envie d'être plus titulaire en Ligue 1. On a la certitude de Conte Sao, on a la certitude Bamou, on a quand même aussi Kofi Djidji. Quid du gardien? Parce que ça aussi, la question, Rémy Rioux, il lui reste un an de contrat. On ne le voit pas rester. Personne ne voit Rémy Rioux rester, après on ne sait jamais. Effectivement, je pense que les deux gardiens n'ont pas forcément convaincu totalement. Est-ce que Maxime Dupé va garder aussi cette place de titulaire qu'il a depuis la fin de la saison? C'est pas sûr. Après, le marché des gardiens, et dans le marché des transferts, un marché particulier, il faut trouver aussi la perle, visiblement, Conceição aime bien les gardiens. Les grands gardiens, très grands. 1m86, voilà. C'est trop petit. L'équipe parlait de René aujourd'hui. C'est qu'il y a un très bon gardien. Qui a priori se sentirait proche de Montpellier. On a parlé de Nardi. Il y a Nardi, voilà. Il y a Nardi. Là, c'est les trois gardiens qui sont cités là. S'il y en a un des trois qui vient à Nantes, c'est sûr, il ne viendra pas pour faire manquette. C'est trois bons gardiens. Ce serait un gardien titulaire, finalement. Je pense qu'il sera placé en numéro 1 bis. Je pense qu'il va les mettre en concurrence, Dupé et la recrue. Je pense qu'ils seront mis en concurrence. Mais ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est prendre un gardien étranger comme Stojkovic, quelqu'un qui arrive. Stojkovic, c'était il y a une dizaine d'années. On ne sait pas ce qu'il vaut. Et puis finalement, il faut prendre un gardien qui a... Puis dans la communication, c'est un poste qui nécessite aussi d'être rapidement à l'aise avec... De pouvoir parler, de pouvoir communiquer. C'est pour ça que la barrière de la langue, s'il y en a une... Moi non plus, je ne suis pas fan. Mais... Après, un gardien que j'aimerais bien qu'il revienne, c'est Ndiaye Sambé. Il n'a pas forcément fait une très bonne saison à Nancy, mais il n'a pas été très aidé. C'est un joueur qui a été formé au club. Moi, je signe tout de suite pour un retour de Guy Roland Ndiaye Sambé. Ouais, c'est... On n'a pas parlé non plus de Sigthorsson. Le retour. Normalement, il doit revenir. Mais dans quel état? Il doit peut-être se faire opérer. Enfin, c'est...
Donc ça va être un gros dossier de l'été, je pense, Victorsson. Et puis on a aussi Thomas 44230 hein, qui a été très actif sur ce sujet du mercato. Pour Pardo et Oliveira, ça sent la fin au club pour deux joueurs qui sont arrivés il y a 6 mois en prêt. Oliveira, il n'y avait pas d'option d'achat. Ah, c'est dommage parce que moi, je trouve que c'est un très très bon joueur. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un très bon milieu de terrain. Et je pense que s'il n'a pas joué plus, c'est d'ailleurs parce qu'il ne s'inscrit pas dans le projet du club à long terme. Voilà, parce qu'il y a bien des moments où je pense qu'il aurait pu apporter. Et Pardo, Kassani, Klitsch, c'est vrai que sur le côté droit, il n'y en a aucun qui a réussi à faire la différence sur le long terme. Donc voilà, le dernier poste, ça serait un ailier rapide quoi, qui peut jouer surtout à droite, éventuellement à gauche aussi. Quoi. Et puis bah, toujours Thomas, 44-230, il souligne aussi Thomasson, qui n'a toujours pas prolongé, serait très courtisé. Club anglais, Saintes, Nice. Vous avez entendu des rumeurs sur le fait qu'il soit très courtisé ? Non, mais j'ai entendu les rumeurs. Après, ce n'est pas étonnant qu'il soit courtisé parce qu'il fait une excellente deuxième partie de saison, enfin fin de saison. Voilà. Après, moi personnellement, j'aimerais bien qu'il reste parce que je trouve que c'est un très bon joueur et en plus, il est sympa. Donc, de toute façon, il ne faut pas rêver. Hein. Dubois, Rongier, Thomasson, Harit, Salah, même Gigi. Peut-être, de toute façon, pour tous ces joueurs-là, quelque part, il y aura des offres. Et c'est normal, ça fait partie du jeu. Ils seront forcément très courtisés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rester. Bah après, Contessao a quand même été assez clair. Il a dit qu'il voulait conserver le maximum de joueurs. Après, Salah, c'est peut-être le moment de le vendre. Et après, si moi je suis pas forcément partisan de ça, mais je pense qu'il a une certaine valeur qu'il n'aura peut-être pas l'an prochain. Et Valdemar, qui est à lui de son côté, a dit qu'il n'avait pas besoin d'argent. Donc ça quand même, ça ouvre beaucoup de possibilités. Oui, c'est le rôle d'un président aussi de dire qu'il a pas besoin d'argent, sinon les clubs vont venir en pensant qu'il peut brader les joueurs. Donc il a pas besoin d'argent, mais il dit dans la presse qu'il peut pas acheter des joueurs de Ligue 1 parce qu'ils coûtent trop cher et que les clubs de Ligue 1 veulent pas concurrencer un autre club de Ligue 1. Donc s'il avait pas besoin d'argent, il pourrait prendre un joueur de Ligue 1. Après, a priori, l'enveloppe qui se destine pour les transferts, pour les arrivées cet été, on parle de 15 à 20 millions. A priori, il n'a jamais mis ça encore. Valdemar, j'ai entendu 10 millions plutôt. Ouais, moi, j'ai plutôt entendu. Oui, c'est un peu flou. Hein, mais c'est pour ça que je disais, ça dépend aussi des ventes. S'il vend par exemple à Rite plus de 10 millions, ça peut permettre aussi d'acheter un autre joueur. Ça dépend des ventes. Après, comme nous dit alors Chloé CSND, vu que le FC Nantes est 7e, vous pouvez baisser le prix des abonnements vu l'argent que vous allez toucher. Ça aurait peut-être été l'occasion, effectivement, de baisser le prix des abonnements qui, visiblement, restent sensiblement les mêmes. Bah, c'est stable en Loire et Erdre pour l'année prochaine et 5 euros de plus pour les nouveaux abonnés, on a vu ce matin. En général, plus tu as de résultats, plus les prix augmentent. C'est rare que les bons résultats fassent que les abonnements. Quand les joueurs ils sont champions de France, derrière, la masse salariale augmente. Tout va avec les résultats. Hein. Juste un dernier petit mot sur la saison prochaine, sur la rentrée. Donc là, les Canaries ont 5 semaines de vacances. Ils vont repartir, comme d'habitude, j'ai envie de dire, en stage à Annecy. Alors la nouveauté, c'est qu'ils vont partir aussi en stage au Portugal. Ils vont avoir 2 stages. Ça, c'est une nouveauté. C'est une petite nouveauté, on va dire. Bah, ils vont bosser. Hein. Et oui, c'est ça. Maintenant, ils bossent. C'est une nouveauté. C'est vrai qu'ils sont habitués à aller à Annecy. Maintenant, ils vont au Portugal. Il y a quelques années, ils étaient allés au Maroc. Ça avait été un sacré bordel à l'époque. Donc, on peut penser qu'avec Conceição, chez lui, dans son pays, ça sera plutôt bien réglé. Après, voilà, il faut travailler. C'est ce qu'il leur est demandé. Après, qu'ils partent. Tant qu'ils restent en Europe et qu'ils ne font pas une tournée à l'autre bout du monde. Alors, quelqu'un peut nous parler sinon de Jorge Mendes en recruteur. Est-ce que l'un de vous trois connaît ? C'est un homonyme. Il paraît de l'agent réputé. Donc, moi, personnellement, je ne le connais pas. J'ai rien trouvé. Je suis toujours tombé sur le numéro 1, mais pas l'autre. Non, je pense que c'est compliqué quand même là, de se prononcer, de savoir si c'est bien ou pas. Après, ça fait quand même longtemps qu'il est dans la boucle. Donc honnêtement, là, se prononcer, pour moi, c'est impossible. Et puis le recrutement, là, pour cet été, ça va être une nouveauté. C'est compliqué parce que c'est le président qui a le chéquier et qui doit décider. Contessao, lui, a les clés normalement du camion aussi pour décider. Il fait partie de Doyen Sport, qui est une grande agence avec plein de joueurs. Donc je pense que ça va être un grand marasme. Enfin, marasme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça va être chargé cet été au niveau des transferts. Tout ça pour dire que celui qui est capable de dire à quoi ressemblera le FC Nantes au mois d'août, il est plus malin que tout le monde, je pense. C'est joliment dit, effectivement. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin. On va être obligé de terminer ce dernier numéro de Canary Play. Avant, justement, de vous dire au revoir, j'avais ce petit cadeau. Enfin, Anthony Brulèze a une grosse pensée pour nous et vous a fait ce petit cadeau.
Bonjour à tous, je profite de la dernière émission de l'année de Canary Play pour vous faire un petit coucou. C'est vrai que j'étais absent pas mal de temps. J'en profite au passage pour remercier Marion et David qui m'ont remplacé. Vous m'avez envoyé énormément de messages, je vous en remercie également. Alors sachez que la santé va beaucoup mieux. J'ai passé un sale moment, mais ça y est, c'est terminé. Et puis on va se retrouver évidemment pour la rentrée, la prochaine saison 2017-2018. Passez un excellent été et on se retrouve d'ici quelques mois. Je vous embrasse tous. C'est ça fait plaisir, hein. Le meilleur coup du mercato, c'est le retour d'Anthony. Voilà, ça sera le retour d'Anthony Brulez fin août. C'est sûr que ça nous fait plaisir de le revoir. En tout cas, moi, je voulais vous remercier d'être venu pour cette dernière émission. Merci d'ailleurs à tous nos invités qui sont venus sur ce plateau durant toute la saison. Ça va être un peu long, mais je veux aussi remercier en régie tous les techniciens, les scripts, les preneurs de son, Christian à la lumière, Claude qui m'aide beaucoup à l'oreillette pour me donner plein de conseils. On l'a dit, un gros bisou à Anthony. J'espère que j'ai fait le tour, que je n'ai rien oublié. Nous ne serons malheureusement pas là le 15 août, le mardi 15 août pour la reprise du championnat, mais nous serons là pour la deuxième journée. Alors surtout, ne nous oubliez pas le temps de cet été. Passez-vous de très bonnes vacances et on se retrouve très très vite au mois d'août. J'ai oublié les vidéos. Merci aux vidéos. Je savais. Et merci.